la première mission à l'ordre du jour, faire descendre Ben de ce gros truc rebondissant. Wow! Ah. Attends, où est Penny? Navré que vos taux d'intérêt s'envolent, les amis. Je crois que ce sont les risques de la haute finance. La haute finance. Si Ben veut vous arrêter avant que vous ne blessiez d'autres gens, alors je vais devoir vous arrêter avant que vous ne blessiez Ben. Mais comme c'est adorable de voir ce genre de réaction. Qu'est-ce que tu veux dire par « ne sois pas condescendant » On est en train de cambrioler des banques. Je m'en moque si je ne parais pas gentil. Elle est partie se battre contre toute seule? Oh, trop top! Je pensais pas qu'elle était si courageuse. Mais ne te moque pas, c'est très grave. Penny est une babysitter, pas une super-héroïne. Il faut qu'on fasse quelque chose. D'accord, d'accord. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que c'est? Le ballon mystère? Il est magnifique, non? C'est parfait. Passons à la phase 2. Nous allons emmener ces banques jusqu'à l'océan et nous fabriquer le plus incroyable des comptes offshore. Ah, ce n'est pas comme ça que fonctionnent les banques. Normalement, je vous dirais que c'est dangereux d'utiliser des appareils non homologués pour la flottaison dans l'océan, mais je m'en moque que vous couliez. Ah, oh, elle est encore là. Tu n'as pas un bâton ou quelque chose pour la faire tomber? J'espère que vous êtes meilleur en natation qu'en cambriolage. Bien dit, Penny. D'ailleurs, j'ai apporté quelque chose à ces messieurs pour leur excursion marine. Ce ballon représente divinement mon amour pour la liberté, la justice et le petit déjeuner. Moi aussi, je suis pour la liberté. La liberté de ne pas être en prison, la liberté de bâtir impunément une île flottante de banques. Je crois que tu as oublié la partie où je parlais de justice. Ben, ce n'est peut-être pas une très bonne idée de lancer des cristaux pointus quand on se tient sur un ballon géant. Oh! D'accord, je reconnais que Penny a parfois raison. Alors, c'est quoi ton plan maintenant? S'il y a quelqu'un qui a besoin de réviser un peu les règles de sécurité, c'est vous, cervelle de cafard. Je parie que si vous aviez lu un seul avertissement de votre vie, vous n'auriez pas échangé votre tête avec celle d'un cafard répugnant. Oh, ne te vexe pas, Sydney. Je sais pas combien tes parents la payaient, mais c'était pas assez. Oh, c'est tellement frustrant. Tout ce qu'il me faudrait, c'est une longe ou une encre ou un truc lourd pour arrêter la parade. Quelque chose du genre, disons, une provision illimitée de gros diamants bien lourds. Les diamants sont lourds? Eh bien, ce sont des pierres, alors je crois que... D'accord, je prends ça pour un oui. Merci, cousine. Sydney, fais descendre cette gamine de notre banque. Je ne vous laisserai pas faire de mal à Ben. Ben, c'était incroyable. Merci, Penny. Attention! Excellent. Fais tout ce que tu peux pour arrêter cette espèce de... Tu jettes notre argent, mais t'as rien dans le crâne. L'argent, c'est justement la seule chose qu'on ne jette pas. Oh, oh, c'est l'heure de freiner ces banques. Je viens avec toi. Tu ne peux pas faire ça sans un chaperon. Arrête de lancer l'argent. Non, je ne suis pas plus autoritaire que d'habitude. Vous êtes vraiment des rigolos. Sydney, arrête. Attends, Sydney, non, pas encore la prison. J'étais sûre qu'il ne pourrait pas gagner. Waouh! Ceux qui enfreignent les règles ne gagnent jamais. On vous envoie des grues pour ranger les banques. C'était vraiment impressionnant, Belgie. Merci, Penny. N'empêche, je trouve que tu as sauté sur pas mal d'immeubles volants pour une fille aussi obsédée par la sécurité. Peut-être parce que te voir en pleine action avec tes aliens m'a donné un peu plus de respect pour l'aventure. Et moi, j'ai du respect pour les vêtements à base de viande. C'est une veste charcutière. En général, elle est réservée aux jambons. Quoi? Vous n'appréciez pas les black cochons? C'est dommage, c'en est des millions.